أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، nous continuons sur le sujet du shirk, c'est-à-dire le polythéisme. Nous avons vu dans la séance précédente, dans la petite explication du verset, l'élément dogmatique, en fait. On va essayer de voir un petit peu un autre élément qui est plus spirituel. Allah Azza wa Jal nous dit « Inna shirka la dhulmun azim ». Déjà, au niveau linguistique, il y a plein de choses à dire. Certes, le polythéisme est, avec certitude, une injustice immense, énorme, si grande qu'on ne peut pas la délimiter. Que d'insistance. Le « inna » et le « la ». Là, dans la langue arabe, ces deux choses-là, elles viennent vraiment insister sur la puissance en fait, de la phrase. Mes frères et sœurs, Allah Azza wa Jal huwa al-adl. Il n'est pas simplement al-adil, son nom, ce n'est pas celui qui est juste. Non, il est la justice. Il représente la justice. De lui émane la justice. Ce qu'il aime est juste et ce qu'il déteste est injuste. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des milliers de choses qui viennent représenter sa justice et sa miséricorde. En échange, il ne nous demande qu'une seule chose, d'être juste dans notre reconnaissance envers lui, de ne pas être des ingrats. Le polythéisme est une injustice profonde, des ténèbres. Le polythéisme est une ingratitude profonde, des ténèbres. Et plus on va faire œuvre de ténèbres, et plus nos cœurs vont devenir ténébreux qu'Allah nous préserve. Jusqu'au moment où on est tellement éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala que le cœur devient aveugle, sourd et muet. « Summun bukmun umyun fahum la yarji'un » qu'Allah nous préserve de cela, ya Rabbal alamin. Le dhulm ici, l'injustice et l'ingratitude, c'est le fait de mettre Allah au même degré qu'une autre de ses créatures. Ou pire, de mettre une autre créature au-dessus d'Allah. Prenons un exemple. Un père de famille qui va élever ses enfants avec une miséricorde extraordinaire, qui ne cessera de leur donner tous les bienfaits que l'on puisse s'imaginer, qui sera là pour eux, qui va les éduquer, qui va s'occuper des gens que lui aime, comme Allah Azza wa Jal donne la santé aux gens que tu aimes, qui va purifier les gens que tu aimes et qui ont besoin de purification, tout comme Allah Azza wa Jal va purifier les créatures par le fait d'avoir des épreuves dans leur vie afin de se purifier et d'arriver au jour du jugement sans aucun péché, inshallah. Même quand tu as un proche à toi qui est éprouvé, c'est une preuve de l'amour d'Allah pour cette créature et pour toi. Il faut essayer de changer le disque dur, enfin le logiciel, pardon, et de voir les choses différemment. Allah Azza wa Jal nous donne ce père, si on revient à notre image, qui donne tout ce que tu veux. Et cet enfant ne remercie pas son père. Belle, bien au contraire. Il part voir la personne qui dénigre son père, qui insulte son père et qui fait l'action la plus détestée pour son père. Il va le voir, ce fils, il lui dit merci à lui et il l'imite lui en reniant son père. Quelle est cette ingratitude? Alors si dans la vie d'ici-bas on fait cela avec nos parents, eh bien évidemment cela fait partie des grands péchés qu'Allah nous préserve et Allah va enlever certainement une grande partie des bénédictions qu'il y avait dans nos existences et on va devoir en répondre dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Mais quand on fait ça avec Allah Azza wa Jal, on a tout perdu. Parce que l'injuste est celui qui renie le droit d'Allah Azza wa Jal. Vous savez, quand on réfléchit un petit peu, Allah Azza wa Jal te donne combien d'années à vivre? 60, entre 60 et 90, ya Allah. Durant toute cette période, combien de temps Allah Azza wa Jal nous impose de l'adorer? Par jour, imposer, si vraiment on fait le strict minimum, une demi-heure. Alors qu'en vérité, on devrait adorer Allah Azza wa Jal beaucoup plus que ça, mais bon. Si peu, pour une récompense si immense.
Parfois, on a l'impression que l'homme ne veut pas le bien pour lui-même. Et il cherche les problèmes. Et il cherche à se mettre dans une situation qui sera la pire des situations au jour du jugement. Demande à Allah Azza wa Jal d'éclairer nos consciences, de nous accorder la droiture et de nous donner la lumière dans cette vie d'ici-bas, au jour du jugement et dans l'au-delà. Ya Rabbal Alamin, en nous préservant du polythéisme et en nous accordant l'unicité absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala dans nos adorations. نسأل الله عز وجل أن يبارك في علمنا. On demande à Allah de mettre la bénédiction dans nos connaissances. Ya Rabbal Alamin. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب